يعني احنا لما دخلت تنظيم الدوله دخلت بتنظيم خلافه خلافه اسلاميه quand j'ai rejoint l'état islamique j'ai rejoint un califat islamique يعني mais quand j'ai vu la bataille de Shaytat j'ai été secoué وين الاسلام لما اني اجي اذبح طفل où est l'islam dans le fait d'égorger un enfant لما اني اجي اذبح مره où est l'islam quand j'égorge une femme où est l'islam quand on prend des femmes comme esclaves alors qu'elles sont elles-mêmes musulmanes نسوان مسلمة هذا مو إسلام. C'est pas ça l'islam. هذا شيء طبعا شفته بعيني يعني. Tout ça je l'ai vu de mes propres yeux. مقابر جماعية. On jetait des gens dans des fosses communes par milliers. بالآلاف. Des enfants. أطفال. وهالشيء هذا. Un jour viendra. L'État islamique tombera. Et là, on saura que j'ai dit la vérité. Mon nom est Abu Oussama Hashami, syrien, de Raqqa. Je suis un déserteur de l'État islamique. J'ai 32 ans. Je m'appelle Abu Ali, de Jordanie. J'ai 38 ans. Je suis Abu Hudhayfa, syrien de Raqqa. J'ai 28 ans. J'ai déserté l'État islamique il y a 6 mois environ. Abu Maria, je suis déserteur de l'État islamique. Je suis syrien, je viens de Raqqa. J'ai 22 ans. Je m'appelle Mahmoud Okba, j'ai 33 ans. Je suis chef militaire de Souar Raqqa, les révolutionnaires de Raqqa. Ici, on est dans la ville de San Yurfa, dans une province du sud de la Turquie. On est à environ 60 km de la frontière syrienne. Moi, je suis Abu Shuja, porte-parole de Souar Raqqa. Souar Raqqa est une faction de l'armée libre syrienne qui combat en Syrie. Nous sommes une cellule spécialisée uniquement dans la désertion des combattants de Daesh. L'État islamique a peur que ces déserteurs révèlent la vérité sur ce qu'il est vraiment. Cette réalité, l'État islamique cherche à la cacher parce qu'elle fait mal. Daesh n'a rien à voir avec les valeurs qu'il prétend défendre, comme le djihad ou l'islam. En fait, Daesh est un ennemi de l'islam. Et si les déserteurs se mettent à raconter ce qu'ils ont vu à l'intérieur, ce sera une catastrophe pour eux. Thank you.
J'ai rejoint l'État islamique d'abord parce que cette organisation me semblait légitime. Il n'y avait pas de corruption chez eux. Que ce soit l'armée libre syrienne, Ahrar al-Sham, ou les autres factions rebelles, les groupes qui contrôlaient Raqqa avant eux étaient très mauvais. Et du temps du régime de Bachar al-Assad, il y avait aussi beaucoup de corruption et aucun intérêt pour la religion. J'ai rejoint l'État islamique après la prise de la province de Raqqa. Ils avaient tout remis en ordre. Il y avait de l'électricité, l'eau était propre, le pain était bon, les prix étaient corrects. Ils ont fait des bonnes choses dans la province. On était convaincus que l'État islamique était sur le droit chemin. La situation à Raqqa était très bonne, parce qu'il n'y avait plus de vol. Les tenues des femmes étaient correctes. On faisait la prière. La sécurité était revenue. Et au début, tout allait très bien. Ils essayaient de mettre en place des tribunaux islamiques qui jugent selon la parole de Dieu. Et c'était ça le plus important. Appliquer la charia sur la terre. Écoute, nous sommes des musulmans. Punir, exécuter, faire couler le sang, tout ça, ça peut paraître barbare ou criminel pour les non-musulmans. Mais nous, quand on coupe la main d'un voleur, on protège les biens des gens, qu'ils soient musulmans ou non. Et quand tu punis un adultère, tu protèges l'honneur des gens. Quand tu exécutes un tueur, tu protèges aussi les gens. Moi, quand j'allais sur Internet, je voyais leurs vidéos. Alors, l'idée a commencé à faire son chemin dans ma tête. Parce que je suis pratiquant. J'avais envie de servir ma religion. Un État islamique, c'est un État du califat. Et comme tous les musulmans, on a envie d'avoir un État islamique. Et puis, il y avait leur organisation, l'organisation des soldats. Ils avaient une réelle volonté de construire un État avec des institutions militaires et des institutions civiles. On travaille avec des agents qui sont infiltrés à l'intérieur de Daesh pour aider les combattants qui veulent déserter et retourner dans leur pays. Mais à une seule condition, c'est d'être sûr qu'ils veulent retrouver une vie normale et qu'ils ne causeront plus de problèmes. Une grande partie d'entre eux sont des Syriens, mais il y a aussi des Jordaniens, des Égyptiens, des Français, des Belges, des Britanniques, hommes et femmes, et des Allemands. Il y a à peu près toutes les nationalités. Salam alaikum. اخي بصراحه يعني المرتين اللي وعدتك بيهن وما جاء الشب كان شايف بالمنطقه في ناس من الامنيين بصراحه والحظ لما قام تسجل معي في صوت حواليك صوت يعني ما اعرف نساء ذكور ما اعرف شنو الصوت فهذا الشيء اللي مخوفنا بصراحه يعني صار الشب راح انفقد وقلت لك والمرتين اللي نتواعد بيهن يعني تكون في دوريات للامنيين بالمنطقه انت سلمت الشخص لا انا ما سلمت الشخص يا فهمت كيف
نحن لما نقول لك انطلعك انطلعك لكن قلت لك شنو الموضوع صار بيريبة وخوف شوي يعني ما تواخذني يعني حقي أني مثل مو حقك ولكن هسه إن شاء الله وصلنا بعض وخلص Daesh a tenté de nous piéger avec de faux déserteurs qu'on a refusé d'aider parce qu'on fait une recherche préalable sur tous les candidats. En fait, on les met sous surveillance alors qu'ils sont encore à l'intérieur pour connaître leurs habitudes et leurs comportements. On leur pose des questions, on leur pose et on leur repose plusieurs fois et comme ça, on arrive à savoir s'ils sont sincères. Quand je suis arrivé, je me suis présenté aux gens de Daesh et ils m'ont reçu. Je leur ai dit que j'étais jordanien. Ils apprécient beaucoup les combattants qui viennent de l'étranger. Quand je suis entré dans leur maison d'accueil, j'ai eu l'impression de me retrouver au beau milieu d'un aéroport. Il y avait toutes les nationalités. La plupart étaient arabes. Il y avait des Saoudiens, il y avait des Marocains, il y avait aussi des Tunisiens. Mais ils m'ont tous très bien accueilli. Mais j'ai remarqué une chose. Il y avait des Européens avec nous. Et puis dans cette maison d'accueil, il y avait un petit jardin avec des poules. Quand on voulait manger, on devait en tuer une ou plusieurs selon combien on était. Bien, ils voulaient absolument que ce soit les Européens qui égorgent les poulets. Comme une sorte d'entraînement. Ils ne voulaient pas que ce soit des Syriens qui le fassent. Pourtant, eux, ils avaient l'habitude de faire ça. Mais non. Ils cherchaient plutôt un Américain, un Anglais, pour égorger leurs poulets. On m'a accepté dans l'organisation. J'ai fait une session de préparation religieuse pendant 20 jours à Raqqa. Pendant cette session religieuse, on t'apprend la prière. On t'apprend comment faire les ablutions, mais aussi à lire le Coran que l'on doit apprendre par cœur. On t'apprend les piliers de l'islam. La leçon la plus importante pendant cette session de préparation théologique, il y avait l'étude du texte, mais le plus important, c'était le cours sur le takfirisme, c'est-à-dire comment distinguer un musulman d'un kafir. Un mécréant. Ils nous ont appris que si quelqu'un fait ses prières, ça ne suffit pas pour faire de lui un bon musulman. Même chose s'il fait le jeûne. En fait, ils ont excommunié à peu près tout le monde. On avait même une blague. Quand tu passes l'examen et qu'on te pose une question du genre « Un tel a fait telle action, c'est un musulman ou un mécréant ?» Tu dois répondre « Mécréant ». Parce que dans 99% des cas, c'est la bonne réponse. C'était une blague qu'on se racontait entre élèves. J'étais motivé à 100%. La session de préparation religieuse, c'était un vrai lavage de cerveau. Et après ça, tu es prêt à prendre un tank et à aller te faire exploser n'importe où. Que ce soit contre l'armée de Bachar al-Assad ou contre l'armée libre syrienne. Ce sont pourtant tous des musulmans comme nous. Dès le début, il pose la question à tout le monde. Voudrais-tu t'inscrire pour une opération suicide? Moi, j'ai répondu non. Pour ne pas me mettre dans ce bourbier. Mais ils disent souvent qu'ils veulent commettre des attentats à l'étranger, dans les capitales. Ils en parlent souvent. Je m'appelle Abou Soufiane.
de Souar Raqqa, la place que j'occupe est très délicate et dangereuse. C'est pour ça que je ne peux pas montrer mon visage. Voilà, ça, c'est un cours pour fabriquer une bombe. Dans cette vidéo, on explique comment assembler l'engin, et puis on voit aussi comment préparer une voiture piégée. Là, il leur explique toutes les étapes à suivre. Ce qu'il faut acheter, le genre de câble à utiliser, de préférence des câbles de plusieurs couleurs, pour les distinguer plus facilement. Et ça, c'est la méthode pour fabriquer une bombe. Mais on peut l'adapter pour la placer sur un corps, ou dans un mur, ou dans une voiture. Ici, on explique comment préparer une voiture piégée, sans kamikaze. Une voiture guidée par une télécommande. On le voit expliquer comment la diriger. Vous voyez, elle avance toute seule. Il lui dit, tourne à droite, tourne à gauche. On a trouvé cette vidéo dans le portable d'un déserteur qui se trouvait déjà en dehors des zones sous contrôle de l'État islamique. C'est peut-être un déserteur ou quelqu'un parti en mission pour apporter cette vidéo à une autre personne, je n'en sais rien. Mais lui, il se dit déserteur. Et pourtant, on a trouvé cette vidéo dans son portable. Toutes les vidéos que je vous ai montrées, elles étaient dans son téléphone portable. Et toutes ces vidéos expliquent comment préparer un engin explosif ou une voiture piégée. C'est très intriguant tout ça. Il était de quelle nationalité ? Français. Il était de nationalité française. Il veut rentrer en France. Il a ses papiers, son passeport, et il veut rentrer dans son pays. Il dit que même en France, personne ne sait qu'il est en Syrie. Nous ont emmenés dans un autre camp, à 3 ou 4 kilomètres, pour recevoir un entraînement militaire pendant 15 jours. La préparation militaire était difficile. Très difficile. On mangeait une seule fois par jour. L'entraînement sur les armes était très éprouvant. Il faisait ça soi-disant selon la tradition du prophète. Alors on était tout le temps pieds nus. Sur la terre, sur les rochers, sur du verre. Hiver comme été, on était tout le temps pieds nus. À la fin du camp d'entraînement, ils nous ont répartis sur différentes régions. Moi, j'étais censé aller en Irak. On allait au village de Garma, près de Fallujah, pas loin de Bagdad. On a passé un jour dans une maison d'accueil. Et le lendemain, ils nous ont emmenés sur le champ de bataille. Moi, à la fin de l'entraînement, j'étais un simple soldat, sur un checkpoint mobile, jour et nuit. On a arrêté beaucoup de gens après avoir fouillé leur téléphone portable. Plusieurs d'entre eux ont été exécutés à cause de ça. Certains avaient des photos ou des vidéos de Bachar al-Assad.
On trouvait des communications par texto avec l'étranger, des messages d'insultes. Ils ne faisaient pas attention, alors que nous, on fouillait tout. On vérifiait qu'ils avaient bien leur carte d'identité de l'État islamique. Celui qui ne l'avait pas, il était arrêté. On gardait jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'identifier. Mais le plus souvent, le temps que cette personne arrive, c'était déjà trop tard. Des gens ont disparu sur ces checkpoints. Ils fouillaient dans leur portable et là, ils trouvaient les moyens de les accuser d'apostasie. Ce sont surtout les forces de sécurité qui sèment la terreur. Un jour, il y a eu une histoire avec un Saoudien. Il s'est fait descendre devant moi, sur le checkpoint. On l'a tué sur le champ, sans jugement. C'est le type des services de sécurité qui s'en est chargé. Il a tous les droits. C'est lui qui se charge de ce genre de choses. Nous, on doit arrêter la personne et l'emmener au tribunal islamique. Mais le type des services de sécurité, il peut l'égorger sur place, sans le moindre jugement. Dans la plupart des cas, ils exécutaient les gens avec des couteaux mal aiguisés, juste pour faire souffrir la personne et mutiler son corps. Beaucoup d'émirs ont fait ça. Ils ont dégradé l'image de l'organisation, du califat, et l'image des musulmans. Si tu fais la route entre Raqqa et Abu Kamal, vers la frontière irakienne, tous les kilomètres, tu trouves deux ou trois têtes décapitées. Imagine cette scène. Avec les enfants qui passent et qui voient ça. Ils sont innocents. Et pourtant, ils doivent supporter de voir ces hommes décapités. Et l'endroit où on accroche les corps. Plus personne n'ose y aller. Les femmes ne passent plus et les magasins ferment. Et l'odeur, tu la sens à 2 kilomètres à la ronde. Regardez, ça, par exemple, c'est la carte d'identité qu'ils donnent à leurs membres. Là, il y a le prénom, le nom de guerre, parce qu'ils ne mettent pas les vrais noms. La région, Raqqa, la section, artillerie. Ça, ce sont des noms et la fonction ou le statut. Par exemple, soldat, fonctionnaire ou femme d'un martyr, membre de la famille, etc. Ils ont un service de l'immigration, une armée, des institutions civiles, toutes sortes d'institutions qu'ils ont inventées. C'est différent de ce que l'on connaît déjà, mais ils sont très organisés. Là, c'est un listing de leurs citoyens. C'est en quelque sorte un registre d'état civil, comme dans n'importe quel autre pays. Ils tiennent aussi à jour toutes leurs dépenses, comme par exemple ce qu'ils donnent à leurs membres. Ici, c'est une allocation, $50. Le bénéficiaire s'appelle Abu Omar Hollandi, Abu Omar le Hollandais. C'est pour l'achat de meubles. Là, c'est pareil, c'est une allocation de $50. Le bénéficiaire s'appelle Abu Tamim Al-Faransi, Abu Tamim le Français. Et là encore, c'est pour du mobilier. Thank you.
Le système de l'État islamique est fondé sur l'autorité de l'émir. C'est comme un système militaire. L'émir, c'est l'équivalent de l'officier dans une armée normale. Il faut lui obéir parce qu'obéir à l'émir, c'est obéir au chef. Et obéir au chef, c'est obéir à Dieu. Alors l'obéissance à l'émir est obligatoire et absolue. Si tu es membre de l'État islamique, c'est une vie tout confort. On t'offre tout. Un salaire mensuel. Moi, par exemple, en tant que Syrien et membre de Daesh, je touchais $100 par mois. Les combattants étrangers, ils touchaient environ $1000. Si tu n'as pas de maison, ils t'en donnent une. Ils te fournissent aussi toutes sortes d'aides. Un panier alimentaire, le gaz et l'électricité, sans coupure. En ce qui concerne la sécurité, c'est un véritable État. Ils ont un appareil puissant. Militairement aussi, c'est un véritable État parce qu'ils ont une armée très forte. Par contre, en ce qui concerne l'organisation économique, ou comment ils traitent les gens, comment ils rendent la justice, là, c'est juste une bande de voyous. Les émirs avaient les habits les plus chics, les plus belles maisons. Ils avaient aussi la meilleure nourriture, les voitures les plus récentes, et aussi des gardes du corps. Et quand ils ont mis la main sur Raqqa, ils ont pillé les banques. Et puis ils ont récolté le zakat, l'impôt islamique, auprès de tout le monde, des commerçants et de tous ceux qui ont de l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas redistribué aux pauvres, alors que dans la rue, les gens mendient. Les membres de l'État islamique, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, ils fumaient, alors qu'ils interdisaient aux autres la cigarette. Eux fumaient en cachette, et ils punissaient ceux qui fumaient. Pourtant, ce sont eux qui sortent des sourates et des paroles du prophète pour te dire que c'est interdit. Dès que les gens savaient que je faisais partie de l'État islamique, ils avaient peur de moi. Moi, je pensais que les gens allaient m'aimer, me respecter, se rapprocher de moi. Mais c'est tout le contraire qui se produisait. Quand j'entrais dans un magasin, le vendeur se mettait debout. Ça se voyait qu'il avait peur. Je passais la moitié de mon temps à rassurer les gens, juste pour leur faire comprendre que je n'allais pas leur faire de mal. Les gens avaient peur. Ils étaient terrorisés. En venant ici, je pensais trouver une terre d'ouverture. Mais en fait, je me suis retrouvé au beau milieu des services secrets. Ce sont tous des agents de renseignement. Ils s'espionnent les uns les autres. C'est la même chose que dans nos régimes répressifs du monde arabe. Lui, il est de l'État du Khorasan en Asie centrale. Il est responsable des camps d'entraînement de Daesh. C'est l'une des personnes les plus dangereuses et les plus puissantes. Ce sont des photos des membres de l'État islamique. Ça, c'est Abu Muhammad al-Jazraoui, d'Arabie saoudite. C'est devenu un religieux. Il a délivré de nombreuses fatwas qui ont conduit à la mort de plusieurs des nôtres. Je rassemble ces documents pour savoir qui sont les coupables au sein de Daesh et les fautes qu'ils ont commises. Ça, c'est une rue à Raqqa, où il y a beaucoup de membres de l'État islamique.
Ce sont des documents vidéo sur la ville de Raqqa et les campagnes alentours. Une partie de ces vidéos provient des téléphones des déserteurs. Une autre partie vient de nos agents qui sont toujours infiltrés au sein de Daesh. Ça nous donne des informations sur les mouvements au sein de l'État islamique. On sait où ils se trouvent, combien ils sont, et ça nous permet de connaître tous leurs mouvements en ville. On a des informations sur les endroits qu'ils fréquentent, qui sont les personnages importants, où se trouvent les civils, les petits soldats. On repère leurs mouvements, quel genre de voiture ils utilisent. Par exemple, on sait que les grands émirs n'utilisent pas de voitures de luxe. Ils préfèrent prendre des taxis ou des petites voitures, ou même parfois des camions de transport de fuel. Tu vois, lui, il s'est posé à un point fixe avec sa caméra parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de membres de Daesh qui passent par là. Regarde, ça va venir. Là, par exemple, c'est un groupe de Chinois. Et là, ce qu'on voit, c'est une rencontre entre combattants étrangers. Plus tard, certains jureront qu'ils n'ont jamais fait partie de Daesh, comme des Européens qui, une fois rentrés chez eux, diront « Nous, on n'y était pas. Pour nous, les Syriens, l'État islamique, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on aura de nouveau un État et un gouvernement, on jugera les membres de Daesh. On demandera à tous les pays de juger les leurs. Et on pourra le faire parce qu'on aura des images de chacun d'entre eux. » Il se repose essentiellement sur les combattants étrangers. Moi, quand j'y étais, ils disaient que tous les mois, ils avaient 2000 combattants qui sortaient de leur camp d'entraînement. Beaucoup de gens les rejoignent. Des étrangers, des locaux. 2000 environ tous les mois. Ils avaient beaucoup de combattants, alors ils s'en foutaient de les envoyer à la mort. Pour être exact, sans exagérer, il y avait peut-être 200 ou 300 personnes ce jour-là. Ils avaient fait à peine 2 ou 3 jours d'entraînement à la session militaire et ils ont été envoyés directement au front. Et je pense que peut-être 50 d'entre eux en sont revenus. C'était des jeunes, 15, 14, 17, 18 ans. Moi, je devais transporter les blessés. C'était ma mission. Je me souviens, il y a eu ce blessé, un Irakien. Dès que je l'ai mis sur la civière, il m'a pris la main et il m'a dit « S'il te plaît, Abou Ali, pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas ici. » Je lui ai répondu « Mais comment veux-tu que je te laisse? Tu es fou. Je suis venu ici pour te sauver. » Puis il m'a dit « Alors ne donne cette civière à personne. C'est toi qui dois me ramener jusqu'au bout. » À ce moment-là, j'ai compris. Ils abandonnaient leurs blessés sur place. Après la bataille, notre émir a même reproché à un combattant de ne pas avoir achevé sur place un camarade blessé qu'il n'avait pas pu évacuer. Ils faisaient quoi des morts? De nos propres soldats? On n'en sait rien. Il n'y avait aucun enterrement. Les cadavres n'étaient pas remis aux familles. Il est jeté dans un endroit.
Moi, je peux parler de Mayadin, où j'ai vu beaucoup de morts de l'État islamique. Cet endroit, ils l'appellent le Dara, c'est-à-dire un terrain vague, un endroit désertique. Ils jetaient tous les corps là-bas pour que les chiens les dévorent. Les personnes exécutées, on les jetait dans le trou, Al-Houta. Vous en avez peut-être entendu parler. Les corps jetés là-bas ne sont plus identifiables. On ne peut plus les récupérer. Beaucoup de gens qui se sont fait descendre discrètement ont été jetés là-bas. Une fois, je me suis attaché à une corde reliée à une voiture et je suis descendu en prenant appui sur des pitons métalliques plantés dans la paroi. Dans le Houta, ce grand trou, des corps restent parfois accrochés aux rochers. Moi, j'étais parti récupérer le cadavre d'un journaliste, mais j'ai été surpris de trouver le corps d'une femme en robe de mariée. Elle était sans tête. Après, j'ai commencé à poser des questions sur ça. On m'a dit qu'elle avait été arrêtée le jour de leur mariage parce qu'elle était maquillée et qu'elle ne s'était pas couvert les cheveux. Le mari a été jugé impur pour l'avoir laissé faire. On les a tués tous les deux pour ça et on les a jetés là. هذا لازم ما يلعب يقدر البنوك خذ راحتك خذ راحتك يعني انت بحكي سو عليز Franchement, dis-moi, tu regrettes d'avoir déserté ? Tu dois me dire la vérité, franchement. Non, non, je ne regrette pas du tout. C'était quoi ton travail à Raqqa ? J'étais soldat, dans le secteur de Ras al-Ain al-Alia. Tous les combattants sont payés 50 dollars ? Non, ça va de 100 à 1000 dollars. En ce moment, c'est en train de diminuer à cause du retrait de l'organisation de certaines régions riches en pétrole. Elles ont été la cible des frappes de la coalition. Et nos ressources en argent diminuent. Encore récemment, on a bombardé une zone où se trouvait la banque de l'organisation. Et du coup, leurs ressources financières diminuent. Alors les salaires des combattants baissent aussi. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi on a mis autant de temps à te faire sortir ? Pourquoi on est resté en contact tout ce temps avec toi ? Et pourquoi on ne t'a pas fait sortir directement ? Franchement, je ne sais pas. Vous deviez avoir vos raisons. Je n'ai pas voulu vous demander. Et tu ne t'es pas posé la question pourquoi tout ce temps ? Peut-être que c'était le temps qu'il vous fallait pour récolter des informations sur moi et sur l'organisation à travers moi. Et donc tu t'es dit qu'on n'allait pas te faire sortir ? Parfois je me suis dit ça, oui. Tu ne t'es pas demandé si on allait t'assassiner une fois que tu serais dehors ? J'ai eu des doutes. En fait, tu avais des liens avec les services de sécurité. Ils allaient chez toi et toi tu allais chez eux. Ça, ça nous faisait peur. C'est pour ça qu'on a repoussé ton dossier plusieurs fois. En ce qui concerne les services de sécurité et les combattants, j'ai des relations avec un peu tout le monde. S'ils viennent chez moi, c'est parce que ce sont des amis. C'est tout. Je ne me mêle pas de leur travail, ils ne se mêlent pas du mien. Mais tu étais très proche d'eux, non ? Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont dans les services de sécurité. Mais nos relations familiales et l'amitié qui nous lient n'ont rien à voir avec le travail. Mais c'est pour ça qu'on a repoussé ta date de sortie. Peut-être que vous pensiez que j'étais un agent double,
et que j'allais vous poser des problèmes une fois dehors. Mais maintenant, je pense que vous savez que je n'ai rien à voir avec ça. Oui, c'est vrai. Et puis tu avais une bonne réputation auprès des civils. On veut qu'ils se détendent, qu'ils soient en confiance, qu'ils se rapprochent de nous pour nous aider à entrer en contact avec ses camarades qui sont restés à l'intérieur. Et pour ça, il faut qu'ils soient à l'aise. En contactant ses amis à l'intérieur, notre idée est de faire sortir d'autres personnes et d'obtenir des informations sur l'État islamique. Savoir ce qu'il en est, surtout sur les combats. On veut avoir le plus d'informations possible sur eux. Le destin de mes amis est lié à celui de Daesh. L'organisation leur procure plein de choses qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs s'ils sortaient. Les gens savent que ce sont des membres de l'État islamique. Et ils savent qu'ils ont commis des crimes. Il y a même eu des règlements de compte entre eux et des civils. Et même avec d'autres groupes. C'est pour ça que leur destin est lié à celui de l'organisation. Ça veut dire qu'ils vivent avec l'État islamique et qu'ils mourront avec l'État islamique. Il y a beaucoup de prisons qui sont remplies de combattants étrangers déserteurs. C'est aussi une des choses qui m'a poussé à déserter. Les combattants étrangers, c'était les plus convaincus. Personne n'avait leur niveau de conviction religieuse. Alors on se demandait forcément, mais pourquoi on les met en prison? Et pourquoi ils veulent déserter? C'était une question toute simple, et on ne pouvait même pas la poser. Du genre, mais pourquoi vous arrêtez cet étranger? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'obtenais qu'une seule réponse. C'est un traître. C'est un espion. Quand ils m'ont nommé gardien de prison, je me suis dit, tant mieux, ici au moins il n'y aura pas de combat. Mais au bout de quelques jours, je n'en pouvais plus. En fait, les combats, c'était mieux que d'être gardien de prison. Puis aussi, il y a eu ce crime. Ils ont tué des Marocains qui voulaient rentrer chez eux. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais un combattant est entré dans une cellule où il y avait ces Marocains. Il les a tous mitraillés. Et là, j'en pouvais plus. J'entendais les cris de ceux qui étaient torturés. Ça se passait dans la section d'à côté, pas dans la nôtre, mais on entendait quand même les cris terribles de la torture. Comme on dit, raconter, c'est pas comme le vivre. Les bruits, les cris, c'est pas comme dans un film. C'est terrifiant. En Irak, j'ai vu deux esclaves sexuelles. Elles étaient très jeunes. Elles avaient 13 ou 14 ans. Elles avaient été offertes au gouverneur de Fallujah, mais il les a chassées. Il n'en voulait pas. Alors, les combattants ont commencé à se chamailler pour les avoir. Un voulait payer, l'autre non. Et finalement, ils les ont exécutés. Ils ont exécuté deux gamines. J'ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. On m'a répondu « fitna »,
elle sème le trouble entre les frères. C'est le truc le plus fou que j'ai jamais vu. Si elle sème le trouble entre les frères, ça veut dire qu'on doit exécuter toutes les femmes dans la rue? C'est de la folie. Avec cette histoire, j'ai commencé intérieurement à regretter. Et là, je me suis dit, jamais j'aurais dû venir ici. La raison principale de ma désertion, c'est parce qu'un combattant étranger a demandé la main de ma sœur. Et moi, je ne voulais pas. Il y a une femme qui fait partie de l'État islamique. Elle se rend dans toutes les maisons pour repérer les filles bonnes à marier. J'étais contre les mariages des filles de Raqqa avec des combattants étrangers. Parce qu'ils ne les prennent pas en tant qu'épouses, mais juste pour le plaisir. Alors j'ai trouvé des excuses. J'ai inventé une histoire de décès dans ma famille, à Tel Abyad, près de la frontière. J'ai fait partir les miens, et après j'ai déserté. Dès qu'on commence à penser à la désertion, on vit dans la terreur, même si ce n'est encore qu'une simple idée. On sait bien que si quelqu'un l'apprend, c'est l'exécution assurée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de combattants étrangers qui veulent sortir, mais qui ne peuvent pas. C'est très difficile de déserter. Moi, ce sont des gens de l'armée syrienne libre et Souar Raqqa qui m'ont fait sortir. Je suis entré en contact avec eux et ils m'ont exfiltré. Je suis en contact avec 85 ou 90 combattants européens qui veulent sortir. Et il y en a forcément d'autres. Mais les pays n'ont pas envie d'aider. On a contacté plusieurs ambassades pour leur dire qu'un de leurs ressortissants cherchait à déserter. Mais ils n'en voulaient pas. Ils nous ont répondu « Laissez-le là-bas ». Ils ne veulent pas qu'il sorte de Syrie. Ils nous disent en substance qu'il meurt en Syrie, qu'il massacre le peuple, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils ne reviennent pas chez nous pour nous faire des problèmes. En fait, personne ne nous aide. S'ils ne coopèrent pas avec nous, il y a un risque que ces déserteurs rentrent clandestinement dans leur pays. Sans une coopération, l'État islamique pourra plus facilement envoyer des combattants pour commettre des attentats à l'étranger. Par contre, s'ils coopèrent avec nous, alors nous pourrons les informer de chaque départ de combattants étrangers. Et comme ça, ils pourront garder le contrôle de la situation en mettant ces personnes sous surveillance ou en les plaçant dans des centres de rééducation. Je conseille à tous les frères, si tu recherches un État islamique, alors Daesh n'est pas l'État que tu recherches. Ce n'est pas un État, ce n'a rien d'islamique. Ce sont des criminels. Ne venez pas ici pour le regretter après. Nous, on voulait la chute de Bachar. On n'a pas pris les armes pour se tuer entre nous, entre différents courants islamiques, que ce soit le front al-Nusra, Harar-e-Sham ou l'État islamique. Personnellement, non, je ne reviendrai pas. J'étais épuisé mentalement quand j'étais là-bas. Même dans mes rêves, je vois le sang. Même dans mes rêves, je me vois en train d'égorger un être humain.
J'espère pouvoir oublier. J'espère que notre avenir sera meilleur. Si tu le veux.